métier qui vous êtes. Ouais, oui. Et une dernière question pour toi, Sidiki de Cher ou Marconnet, qui nous demande, enfin, c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises, quelles sont tes relations avec Ibawan ? As-tu de ces nouvelles ? Mes relations avec Ibawan, c'est une relation d'amitié, de frère. Et c'est mon gars, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, comme lui il fait ses tournées, moi je fais mes tournées. C'est pour ça qu'on n'arrive pas trop à se voir là, en ce moment. Mais ça va, tout se passe bien, on s'appelle, on se donne les nouvelles, ça va. Ouais. Il y a des nouveaux projets même. Ibawan que l'on retrouve d'ailleurs sur l'album. Ouais. Ben oui, il y a également y a Niska, il y a Mbouye Kouyaté. Kouyaté, ouais. Attends, c'est Kouyaté ? Kouyaté. Ah bon ? Ouais. Y a pas un Kouyaté avec toi aussi sur l'album ? Si. Ah d'accord, ok. C'est le fils de... Ouais, le neveu Habib Kouyaté. Ouais, d'Habib, voilà, ouais. C'est ça. D'accord. Florelle ? Oui, j'avais une question encore. Ta musique, elle s'adresse et elle parle complètement à la jeunesse africaine. Aujourd'hui, dans ton travail, on retrouve pas mal de références actuelles, notamment celles du hip-hop, avec les filles, les voitures, l'argent. Quel message tu souhaites faire passer justement à cette jeunesse qui t'écoute ? En fait, je veux faire savoir à cette jeunesse là que l'Afrique, nous, là où nous sommes, c'est là où tout se passe en fait. Et je veux leur montrer tout ce qu'on peut faire à l'extérieur. On a la chance de le faire chez nous. Les gens viennent, ils prennent leur avion d'Amérique, de Brésil, mais viennent chercher chez nous. C'est ici que ça se passe, tu vois. Et je veux leur faire savoir que on a plus qu'ils le pensent. Il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que la faim chez nous, il n'y a pas que les maladies chez nous. On peut s'éclater. Il y a tout ce qui est bonheur, il y a chez nous. En tout cas, alhamdoulilah, ça va, tout se passe bien chez nous.